Eh bien, bonsoir à tous, c'est Oli. Ce soir, je reprends la TV à partir du coup de 21h pour la fin de ces ESL ESEA Pro League pour aujourd'hui. Donc, deux gros B1 Moussi Sport contre SK Gaming, deux fois, un match aller, un match retour. La première map qui sera jouée, c'est Mirage, et la deuxième, il faut que j'aille regarder parce que j'ai pas pensé à regarder avant de venir, ce sera Cobble. Ça fait un bail que j'ai pas casté un match sur Cobble, ça fait carrément plaisir. Donc, du coup, vous avez été en très très bonne compagnie juste avant, en la personne de ce cher petit Crazy qui sans aucun doute nous enjaille bien comme il faut sur les streams. Vraiment super agréable de l'entendre caster sur la CMTV, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, je reprends le flambeau, j'espère vous faire kiffer un petit peu ce soir, vous faire passer une bonne fin de soirée, je suis là pour ça. Pour tous les gens qui rentrent du taf, qui se posent un peu devant leur PC et qui veulent passer un bon moment, eh bien je suis là pour ça. Et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne journée, patati patata. Mais du coup, venons-en au fait. Moussi Sport contre SK Gaming. Alors, si je peux me corriger, en fait, plutôt SK contre Nico eSport. Nico qui a joué comme un monstre depuis ces dernières semaines. Il est vraiment super chaud. Au niveau du skill individuel, il sait jouer au rifle, il sait jouer à la WAP, il peut jouer quasiment tous les postes dans une équipe, que ça soit support, entry, AWP. Enfin, je veux dire, là actuellement il est lead in game et il top frag quasiment à chaque game, en fait, à chaque match. Un joueur vraiment impressionnant à regarder. Il a un très très bon sens du jeu, un très très bon clutcher. C'est vraiment un joueur très agréable à regarder. Mais en soi, l'équipe de Moussi Sport est une équipe assez solide, justement avec l'ajout de Nico, qui est le joueur sur le banc, en fait, et qui est passé à la place de Gobi, je crois. Non, pas je crois, en fait, il est passé à la place de Gobi, et Speedy qui est revenu. C'est vraiment que des bonnes choses là pour ces Moussi Sport. On peut le voir d'ailleurs, hein, je crois qu'ils ont gagné un BOA contre Fnatic en début de semaine. Ils sont vraiment très très chauds. J'ai de bons espoirs pour eux au Major. Je pense que ils vont pouvoir faire des choses. Et pourquoi pas envisager de sortir des poules. Je me rappelle plus de leur groupe. Mais voilà, j'espère les voir sortir du Major, les voir sortir des poules du Major plutôt. SK Gaming qui sont une équipe qui est intéressante à regarder aussi, mais je sais pas, ils sont vraiment pas constants dans leurs résultats. Et malgré le fait qu'ils soient très très bons, bah, le problème c'est qu'ils sont pas constants du tout. Et en fait, on sait jamais quand ils vont gagner, quand est-ce qu'ils vont gagner ou ils vont perdre. Et quand ils ont le potentiel de gagner, ils perdent, quand ils sont censés perdre, ils gagnent. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Les SK, c'est un peu bizarre la situation dans laquelle ils sont. Ils ont une équipe qui a plein de potentiel avec Magix Boy, qui est un jeune joueur qui a fait ses preuves en LAN à la Fragbite Master saison 5. Ils ont vraiment du potentiel aussi, ces SK. Mais ce soir, je verrais bien les Moussi Sport l'emporter 2 à 0 du fait qu'ils jouent sur deux maps qui leur sont plutôt fortes, enfin qui sont plutôt forts pour eux. Ils ont Nico, ils ont Chris Jay. Si Chris Jay est allumé ce soir, avec son AWP, les gros picks agressifs en CT au niveau de la corne ou au niveau du palace, ça va donner comme il faut. Et je vois vraiment, voilà, les Moussi Sport l'emporter 2 à 0 ce soir. Je verrais quand même les SK leur faire quelques frayeurs. Je verrais bien du 16-10 sur Mirage, 16-9, 16-10 sur Mirage, avec des rounds très très serrés. Mais les rounds clés remportés par Moussi Sport, les rounds contre double où on envoie l'équipe en écho juste derrière. Je pense, voilà, que Moussi Sport va gagner ce soir. Mais attention aux SK qui sont là, qui peuvent surprendre. Et du coup, voilà, on attend juste, je crois qu'il manque un joueur chez les SK, à moins qu'il soit arrivé. Je suis en back bureau, j'essaie de lire un petit peu le chat en attendant. Ouais, il manque, il y a Cillon, Freeze, il manque Pim, je crois, ouais, il manque Pim. Il manque Pim, hein, l'ancien joueur de chez Dignitas, qui m'a vraiment surpris, en fait, chez SK. Je pensais qu'il était... Je pense qu'il était mal utilisé, en fait, chez Dignitas. Il n'était pas dans le bon rôle, il n'avait pas les bons placements. Et je pense justement, Freeze,
arrive à l'utiliser correctement et ça se voit parce que Pimp est vraiment très très bon sur les dernières semaines. Du coup voilà, on attend. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Tenez-moi un petit peu compagnie en attendant que le match commence. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, hein? On attend. Je suis chaud patate là. Je sais pas pourquoi j'ai la pêche. J'attends de voir un petit peu. J'espère qu'on va avoir les Mossy Sport au rendez-vous. C'est une équipe que j'apprécie de plus en plus regarder. Surtout en la personne de Nico en fait qui est vraiment fou en fait comme joueur. Mais alors littéralement fou. De quoi on pourrait parler? Tiens, je sais. Allez, hop, je vais vous faire votre petit 20h des actualités CS en attendant que ça commence. Il y a les stickers du prochain Major qui ont été dévoilés aujourd'hui. Si vous les avez pas encore vus, ils sont super stylés. Vous pouvez aller normalement sur le site de, je sais plus si c'est Steam ou non, le site de MLG en fait, tout simplement pour aller voir les nouveaux stickers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a We Run This Place, qui est une équipe féminine qui a gagné l'UEM Katowice, qui a été recrutée par Team Secret. Team Secret, c'est une des plus grosses organisations sur Dota. Là, la news qui est tombée il y a 1 heure, je crois, quelque chose comme ça, sur HLTV. Et du coup, de quoi est-ce qu'on pourrait parler? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Virtus Pro qui élimine. Élimine Immunity à la Counter Pit. Les Envious qui joueront, je crois, le match des Envious contre NRG qui a été décalé. Pour une petite actu là sur nos franchises des Envious. La première LAN de Devil avec Envious. Pourquoi les papillons volent? Parce que papillons de lumière. Voilà. Voilà. Ouais, Chris J, excellent. Carrément. Mais après, Chris J, il est. Enfin, il est pas constant autant des fois, il est. Il est fou, on a l'impression qu'il cheat, enfin, il met des trucs à la WAP, c'est impressionnant. Autant, je pense que c'est un joueur un peu comme en la personne de. Je crois que c'est Apex, je sais plus si c'était Apex ou Kenny qui disait ça. C'est des joueurs en fait, quand ils sont en confiance, c'est les meilleurs, mais quand ils sont pas en confiance, ils arrivent à rien du tout. Je crois bien que c'était Apex. Ouais, Kenny, non, Kenny disait que c'était un joueur super émotif. Dedans, je crois que c'était Apex du coup, qui expliquait que au partir du moment où il est pas en confiance, en fait, il arrive pas du tout à jouer. Je pense que Kryjay, c'est un petit peu la même chose. C'est un joueur, quand il est pas en confiance, il arrive à rien. Par contre, quand il est bien dans son match, il est en confiance, il a confiance en ses mates, je pense que il peut être très très bon et il l'a déjà prouvé plus d'une fois. Maintenant, à voir ce que les Mossy Sports vont nous proposer ce soir. Alors, est-ce que on a une info peut-être sur Pimp, le pourquoi du comment? Il n'est pas encore là parce que je sais pas si le match avait été décalé. Non, le match avait pas été décalé, mais voilà, Pimp est toujours pas là. Sais pas vraiment pourquoi. Alors. Alors, John Waite, on va essayer de prendre en compte ta critique. Merci d'être aussi constructif. C'est pas souvent qu'on voit ça. C'est gentil. C'est gentil. Ça fait toujours plaisir. Alors, attendez, parce que du coup, c'est quand le Major? Alors, ça commence le 29 mars. Je vais dire ça de suite, en fait, parce que j'ai la page sous les yeux. Ça commence le 29 mars et ça finit le 3 avril, le Major. Alors, gauche des stickers phase, ouais, effectivement, ouais. Effectivement, c'est un peu collector des stickers phase à l'époque de Code où moi je les regardais faire des trickshots quand j'avais 11 ans et là ils ont leurs stickers dans le jeu, c'est vrai que c'est assez cool. Mais du coup, il y a Pim qui vient de rejoindre la game et je pense que ça va start instant. Je pense que ça va start instant. Ouais, voilà, ils vont partir sur le knife. Maintenant, tout de suite, du coup, sur ce bon site A, on va voir qui va commencer sur quel side. Là, pour l'instant, c'est les SK qui prennent un petit avantage, mais voilà, Nex qui vient récupérer justement le kill. Mais du coup, chez le Moussiport, c'est du 2v2. Mais on a Pim qui est toujours full HP. Voilà, il me dit qu'il fait tomber Speedy, Nex.
sur Maudit et Pimp juste derrière. Sur Nex, Pimp qui a pas perdu un seul HP. Qui est bien bien chaud. Enfin, qui est bien bien chaud. Pim qui a juste qui a fait gagner le life round à son équipe. Je pense du coup voilà les SK qui vont décider de choisir le side CT comme premier side. Ce qui semble être une décision logique puisque c'est l'easy side sur Mirage. Maintenant, à voir ce que les Moussi Sport du coup vont nous proposer. J'ai confiance en Nico pour lead son équipe. Voilà, c'est Nico et Speedy qui vont se sacrifier pour prendre le stuff. Et je pense qu'on va partir pour une petite prise du BPA. Je pense qu'il va y avoir une smoke stairs et une smoke c... Enfin, une smoke... ouais, une smoke stairs et une smoke CT. Qu'on va déclencher rapidement. Prendre le BP. Là, les smokes qui partent. Nico qui attend pour faire péter la flash. Ah, c'est parti. Les doubles HE qui partent au niveau du spawn CT. Et non, on décide de pas smoke le CT. Ah, c'est Nico... Et Speedy, la très bonne HE au niveau du spawn CT, très très bien joué Chris J. Surprise, voilà, attention à la reprise d'Acilion là depuis le connecteur qui va faire le frag sur Denis. La bombe qui a pu être plantée pour le connecteur et pour la rampe. La rampe, ah, attention Nicolas qui a voulu aller chercher le challenge, le duel pardon sur Magic's Boy. Mais voilà, Magic's Boy qui se fait revenge instant avec Chris J. Le Chris J dont on parlait qui fait un double kill, mais il reste Speedy NX. Je pense qu'on va essayer de bait. Attention Pim qui se doute absolument pas. Il y a des joueurs du côté de la rampe, il pensait que c'était dans le connecteur, mais voilà. Il va récupérer la smoke, il va tenter Ninja Diffuse, mais je pense qu'on ne le laissera pas passer. Voilà, on sait qu'il n'est pas passé, il va se faire casquer et il va tomber sous les balles de Speedy. Il a pris une instant, hein. Il a pris un moins 95 dans la tête. Et il y a déjà une pause qui a été cool après ce GR. C'est un peu trop récurrent, c'est dommage. Les pauses sont un petit peu trop. Je sais pas pourquoi j'ai dit récurrent. J'ai lu, il y a quelqu'un qui a marqué récurrent dans le chat là. Sache que tu viens de me faire dire une connerie. Voilà, je tenais à te le dire. Je crois que les pauses en match Pro League, il y a pas le droit d'avoir plus d'une pause par match. Non, une pause par side, par équipe. Voilà, mais voilà, Pim du coup qui a disconnect, il doit avoir un problème sur le PC ou alors il est parti activer son cheat. On sait pas. On ne saura jamais. Complot des Illuminati, peut-être. C'est un live, c'est bien un live. Alors, Withworld Games. Effectivement, je crois que les recrutements sont toujours ouverts. Tu peux envoyer ta candidature. Si tu tapes point d'exclamation contact, je pense que tu devrais avoir l'email de... Voilà. Voilà, merci Droid2K. L'efficacité des modos ce soir, je pense qu'on peut les applaudir. Voilà, tu contactes Association Clan Mystique, tu contactes webtv@clanmystique.fr ou alors tu contactes Rico ou alors tu contactes Red. Voilà. Du coup, ouais, c'est récurrent, ouais. Merci Tabani, merci. Merci beaucoup. C'est très appréciable. Ah, Pim qui vient de Reco. Je pense que les SK vont partir sur un round d'achat. Ça me semblerait être la décision logique. Freeze va peut-être écho pour commencer son cycle à WAP. Mais du côté Moussi Sport, on n'est pas naïf, on sort déjà 4 rifles. Et je pense que c'est encore une fois Nico qui va sacrifier sur le stuff manquant. On a déjà 2 smokes, 3 flashs, une HE. Peut-être Nico pour un Tech 9 Kevlar et encore une HE, une smoke et 2 flashs pour pouvoir encore une fois déclencher en A une prise du BPA, sauf que cette fois il y aura une smoke CT. C'est probable, comme ils jouent le rifle, ils vont jouer les longues lignes. Et le BPA ou peut-être une prise middle pour rediriger en B. Essayer de pas trop jouer le contact avec les pistoles, puisque ça va être du pistol Kevlar, du FF7 Kevlar si force by. Donc il faut pas jouer le contact. Qui joue le contact, c'est le décès assuré. F7, c'est une vraie agrafeuse. Merci, c'est gentil d'applaudir. Je vous entends pas, mais je sais que vous avez applaudi devant vos ordinateurs. Arrêtez d'écrire récurrent dans le chat. Arrêtez de me troller. C'est pas gentil.
Du coup, toujours en pause, hein. Y a aucune pression. Le match a eu un round et y a eu une pause. Voilà. Alors, je ne suis pas absolument pas le propriétaire de cette chaîne. En fait, on est que des simples. Moi, je suis un simple casseur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui stream les images que vous voyez. Et en fait, bah moi je les vois en live et je commente ce que je vois en fait. La chaîne ne m'appartient pas. Les chaînes de Clan Mystique ne m'appartiennent pas. Je suis pas le grand patron de Clan Mystique. Les chaînes, elles appartiennent à Red, si je dis pas de bêtises. Enfin, à Clan Mystique, à l'association Clan Mystique du coup. Voilà. Voilà pourquoi je voulais pas m'engager dans le truc. Parce que je savais que j'allais dire une connerie. Les commentateurs SL Anglais disent 2-0 pour Mousse, 1-1 parce que SK c'est des monstres sur Cobble. C'est vrai qu'SK ils sont vraiment pas mauvais sur Cobble. C'est pour ça en fait, enfin, je pense que ça va être surtout une des deux maps serrées. Je verrai plus effectivement Cobble comme je l'ai dit au début. Maintenant, Pimp qui a encore déco, c'est pas grave. Ouais, du coup, ouais, voilà. Les SK qui sont assez bons sur Cobble, c'est pour ça que je verrai Cobble un petit peu plus serré. Mais je vois toujours les Moussi Sports remporter 2-0. Carrément. Oui, continuez à écrire récurrent. Allez-y, c'est pas grave. Je vous en voudrais jamais. Enfin, si, je vous en veux un peu. Pas grave. Peut-être apprendre à écrire dans le chat là, des fromagiers. N'importe quoi. Bon, j'espère que vous êtes chaud là, vous allez rester avec moi jusqu'à la fin de cette soirée ESL. Je sais qu'il y en a qui ont cours, je sais qu'il y en a qui bossent, mais les matchs professionnels de Counter-Strike, c'est plus important que tout ce que vous faites dans votre vie. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. Alors que du coup, comme je disais, c'est un peu Nico qui s'est sacrifié pour avoir du stuff, il a acheté un UMP. Et visiblement, on se prépare encore pour une prise du A. On a un joueur qui va contre l'ennemi du côté Mousy Sport, c'est ce même Nico. Et du côté SK, on se prépare à déclencher une CPL avec deux smokes en A, PD et KrisGL, les flashs qui sont envoyés. C'est reparti. C'est pareil, c'est la même que tout à l'heure. Une smoke jungle, une smoke pour couper une jungle, une smoke pour couper la lane stairs. Et c'est Moji qui viendra faire tomber Nico. Attention à ce round d'achat, Nex. Il vient faire tomber Magic's Boy. Attention à ce Lion qui est bloqué en plein milieu de ce BP. Il va casquer un joueur. Dennis qui va réussir à le faire tomber. Pimp sur Speedy. Mais KrisGL et Dennis qui viennent récupérer le round. Attention à Maudit qui a deux joueurs très très low HP en face de lui. La bombe qui va pouvoir être plantée par KrisGL. Il reste justement bah, ce même Maudit sans HP. Et attention parce qu'il est en train de s'avancer en sneak sur le BP. Mais voilà. C'est Nex qui viendra le faire tomber. Les Maudit Sports qui ont subi de gros gros dégâts. Ils ont perdu. Deux rifles, une AK, une Galil, Nico qui avait une PM, c'est pas spécialement grave. Bon voilà, l'important c'est que le round est mis. Mais les SK étaient vraiment pas loin d'aller chercher ce round de force buy. Là ils vont devoir écho, on a un Deagle sur Pimp. Un P2 sur Moji, la smoke Pigeot qui part direct de la part de KrisGL. Et on va avoir une petite prise du middle encore une fois par Nico. Espérons que cette fois elle soit. Elle se solde par un succès. Voilà, Nico qui vient re-smoke le pigeon. La smoke n'était pas pour le pigeon, autant pour moi, elle était pour la corniche. Et voilà, Nemo Esports qui décide de se diriger vers le B. On est rentré dans ses appartements. On a l'info, mais attention, c'est un stack B. Il y a 4 joueurs en B. On a un joueur sur le boost. On a Freeze qui est boosté sur le BP. On a un joueur sur la caisse boost. Ça peut être compliqué, ça peut vite se transformer en cauchemar pour les Nemo Esports. Mais voilà, avec Nico qui est en train de prendre la corniche. Ça risque de très très bien tourner pour eux. Alors voilà, Dennis qui vient chercher le kill. Hein. Magic's Boy qui TK Maudit. Next sur Magic's Boy, il reste que Asillion. Asillion qui est bloqué sur le boost. Et il va se faire checker instant par Speedy. Les Allemands de chez Enfin les Allemands. Ils sont plus que 3 chez Mousy Sports. Mais voilà. Les Allemands de chez Mousy Sports qui viennent chercher leur troisième round. Attention, ça va être de l'achat maintenant chez SK. Freeze qui va sortir la WAP. Enfin, il n'avait pas acheté au deuxième round pour avoir son AWAP au troisième. On n'a pas énormément de stuff, on aura de quoi renouveler les smokes, c'est ce qu'il y a de plus important. Après, au niveau des HE, il faudra bien les utiliser puisqu'il n'y en a que deux.
Voilà, on prend une rapide middle là du côté Mossy Sport. On vient chercher le contrôle de ce connecteur. Attention, Asilion qui est en train de s'avancer à travers la smoke. Asilion qui est en train de jouer parfaitement là. Asilion qui va tomber sous les balles de Denis. Denis qui a été prudent. Il a pas été naïf. Chris J qui fera tomber Freeze. C'est moche là. Chris J qui a eu un manque de respect avec son PM. Speedy qui fait tomber le dernier joueur sur le bon site. Il reste un joueur au niveau du ticket. Et Chris J qui fera tomber Magic Boy. Ne donnez pas une AWP à Chris J. Il reste que le joueur ticket et Denis qui le travers. Le joueur ticket qui a été repéré, je pense. Pim qui est du coup tout seul. Mais bah, attention, Pim qui fait un premier kill. Alors, il tombera sous les balles de Nico. C'est le round parfait pour les Moussi Sport avec Chris J qui a pas upgrade son pistolet mitrailleur. Il a gardé le MAC-10. Et je pense qu'il s'est douté que les joueurs auraient pas forcément de casque. Maintenant, c'était vraiment, vraiment couillu de la part de Chris J de tout simplement garder son PM. Mais voilà, du coup, full bénéf, il récupère une AWAP. Et ça, c'est la mauvaise opération pour les SK Gaming qui perdent du coup leur premier round d'achat et qui sont renvoyés en écho. Attention, du coup, Freeze qui a pris l'info middle. Il sait qu'il y a au moins deux joueurs en middle. Il a vu la WAP. On s'avance triple box là du côté de Chris J et de Nex. On prend le contrôle de ce middle tranquillement du côté Mossy Sport. On a fait le ménage au niveau de l'under. On sait qu'il y a personne. On peut essayer de rediriger, mais voilà. Nico, attention, Nico, comme je disais, hein, qui peut jouer plusieurs rôles. Et là, entre autres, son rôle, c'est de prendre la coupe, de veiller à ce que ses mates ne se prennent pas un coup dans le dos. On s'est avancé dans le connecteur. Genemusi Sport. Et on sait qu'il y a au moins un joueur sur ce BPA, c'est Asilion, avec son CZ. Et les Moussi Sport, ils sont pas pressés, hein. Ils prennent vraiment leur temps. Et ils ont raison de prendre leur temps, parce que la rotation, elle arrive du côté SK Gaming. Et attention, Magix Boy et Freeze. Ils feront tomber Speedy, Modi sur Denis, Nico sur Modi, le bomb sita qui est ouvert, Nex qui fait le double kill dans le middle, et Nex qui vient chercher le triple kill dans ce middle, Nex qui a balayé tout simplement ces joueurs de SK Gaming, les Moussi Sport qui prennent leur temps, ils jouent vraiment, vraiment très proprement, ils savaient que les SK allaient être en écho, ils ont pris leur temps, ils ont quand même subi quelques dommages, mais c'est pas spécialement grave, du fait que... ils ont quand même mis le rune, ils ont réussi à garder la WAP et deux AK. Et Mossy Sport, sous la lead de Nico, qui ont l'air d'être vraiment, vraiment très à l'aise sur Mirage pour l'instant. Mais attention, on sort la double AWAP et c'est Magix Boy qui endossera le rôle de ce deuxième AWAPer. Mais voilà, il va tomber face à Chris J. Et ça se passera pas bien pour lui, puisqu'il va tomber, il gagnera pas son duel. Les Moussi Sport qui vont venir encore une fois contrôler ce middle à 3, partir sur une petite redirection en B là du coup. Il y a que deux joueurs sur le B, et je me demande si on n'a pas Speedy. Voilà, Speedy qui prend la coupe dans le mid. Il est dans les triple box. Du côté Moussi Sport, et Asilion qui a la bonne prise d'info, mais malheureusement pour Asilion... C'était moche ce qui se passe puisqu'il se fait tag. On sait qu'il y a Pimp sur le BP. Pimp qui a réussi à leg un joueur. Pimp qui fait déjà le double kill. Voilà, Pimp qui tombe. Ça permettra pas à ses mates de tourner assez vite. Il a gagné un peu de temps, mais il en a pas gagné assez. Attention, on a Freeze. Freeze qui prend le kill sur Denis. Du côté de Speedy, il va falloir accélérer. Ah, mais non, même pas. Il a pas besoin. Il aura la coupe sur la corniche. Ce sont les joueurs qui vont sortir de la kitchen. Voilà, Modi qui va se mettre une flash, qui va décider de sortir. On a Nex qui est sur le BP, Speedy qui prend la coupe, il a l'info, il sait qu'il y a un joueur qui s'est avancé. Et Modi qui fait le double kill et les SK qui arrivent à venir récupérer ce BP. Les Mossy Sport qui étaient dans une position avantageuse dans ce 2v2. On avait un joueur dans la corniche qui coupait la ligne des CT, qui voulait sortir de la kitchen. Malheureusement, les Mossy Sport ne réussiront pas à tirer davantage de cette situation de 2v2. Et c'est dommage. Dommage puisque comme je viens de vous le dire, elle aurait été vraiment avantageuse. Les Mossy Sport qui mènent quand même 5-1, ils ont une situation économique assez favorable, ils devraient pouvoir racheter au prochain round s'ils le perdent. Et je crois qu'on va partir pour une agression corniche, on a Nico qui prépare une smoke, je vais aller voir où elle pop. Je crois que c'est une smoke qui pop pour la corne, ouais, voilà, c'est la smoke qui pop devant le connecteur du côté BP. Elle empêche toute visu sur la corniche. Du coup, du côté SK, je pense qu'on se doute que ça doit arriver au niveau de cette corniche. Et effectivement, on a Pimp qui vient jouer la ligne depuis le pilier.
Mais du côté Mossy Sport, on joue vraiment intelligemment. On se redirige vers ce connecteur, on prend tout le temps nécessaire. Et c'est Chris J qui va trouver le premier pick sur Modi. Frisk, attention, Frisk qui est toujours présent sur BP avec son AWP. Frisk qui fera tomber Nico à la sortie de ce palace. Mais voilà, les Mossy Sport, encore une fois, qui sont pas pressés. On va faire arriver Chris J par cette rampe pour venir décaler ligne par ligne le BP. Et Chris J qui a l'avantage du coup sur le joueur spawn CT, mais le joueur spawn CT qui joue vraiment reculé. On décide d'agresser côté Mossy Sport par ce connector. On a l'info qu'il y a un joueur dans la jungle. Voilà, on va décider de reprendre rapidement, je pense, du côté SK. On a deux joueurs spawn CT, un joueur qui part par le mid, un joueur qui est dans la jungle. Et effectivement, je pense qu'on va décider de reprendre rapidement. Magic Boy qui va poser la mollo au niveau du Dark. La flash qui part, la reprise de EP qui est engagée par les SK. Magic Boy qui fait le premier kill sur Next, au niveau du sandwich. Et attention, les SK qui sont en train de faire une très très bonne reprise de BP. Et voilà, la smoke qui part et ça va être très compliqué de diffuse la bombe. Je crois qu'il y a déjà un joueur dessus. Ouais, il y a un joueur dessus. Et Chris J qui touchera pas le coup d'AWAP. Chris J qui touchera pas le coup d'AWAP. La bombe qui va pouvoir être diffuse. Magic Boy qui va finir par tomber. C'est dommage là du côté Mossy Sport. On s'est fait rouler bêtement hein, par une smoke, mais la reprise de BP des SK était vraiment vraiment parfaite. Ils ont réussi à décaler ligne par ligne. Et du coup, comme les Mossy Sport étaient à deux repliés au niveau de la rampe et un joueur dans le middle, avec deux joueurs c'était qui prenaient la ligne sur cette rampe, c'était beaucoup trop compliqué de tenir ce BP du côté Terro. Mais voilà, c'est pas grave. Les Mossy Sport qui ont pu, comme je le disais, racheter, ils ont encore un peu d'argent en banque. Ton full stuff, attention, Nico qui prend un coup d'AWAP du coup. Amodi qui est en train de off le palace, prendre l'info. Et je pense qu'il va pouvoir là. Frisk qui va tourner au niveau des appartements. Le très bon call là du côté SK. Très bon call. Et on part pour une CPL en B du côté Mossy Sport. C'est les smokes qui sont posés. Et le stuff qui est lancé, Frisk qui va manquer. Et non, Frisk qui va toucher le coup d'AWAP sur Denis à la sortie des appartements. Il va falloir rentrer sur ce BP. Il va falloir prendre un entrée du côté Mossy Sport puisque la rotation est en train d'arriver depuis la corniche. Et on s'attend pas du tout à ce qu'il y ait des joueurs qui arrivent de la corniche. Voilà, et c'est Pimp et Magic Boy qui font le travail. On n'arrive pas à trouver d'entrée. Du côté Mossy Sport, c'est Nex et Speedy, attention, qui sont encore en vie. C'est du 3v2, la bombe qui est tombée, la bombe qui a pas encore pu être plantée. Frisk qui tient la ligne à la sortie du market. Speedy, du coup, qui a repéré le joueur, mais voilà, c'est Asilion qui arrive, qui fera tomber Speedy. Nex qui est laissé tout seul. Nex pour le clutch, ça serait un très très beau clutch, malheureusement, ça va être très compliqué pour lui. Il est en 1v3, les joueurs SK ne peuvent pas perdre cette situation, et du coup... le 1v3 qui ne passera pas pour Nex, il va tomber sous les balles de Frisk. On n'a pas décidé de reprendre la double AWAP plutôt du côté SK. Sinon qu'il l'avait à ses pieds, il a préféré la laisser par terre. Du côté Mossy Sport, on devrait pouvoir racheter, c'est le rune coussin économique qui vient de partir en fumée. On a une Galil sur Speedy. Le seul défaut un petit peu là justement de cet achat. Quoique la première balle de la Galil est extrêmement... C'est quoi le mot? Voilà, j'en perds mes mots. C'est n'importe quoi. Extrêmement précise. Voilà, la première balle est extrêmement précise. On agresse rapidement sans smoke et ça passera pas à Cilion et Moji qui font le taf sur le bon site. Ah, ils prennent déjà 3 kills. La bombe qui est tombée au niveau du Tetris. Frisk qui reprend la ligne en plus avec son AWAP. Chris J qui va tomber sous les balles de Frisk, il n'arrivera pas à venir décaler. Et Asilion qui fera le kit sur Nico. Attention à CSK Gaming, il faut pas les laisser prendre la confiance. Faut pas leur laisser prendre la confiance, absolument pas. Alors, est-ce qu'ils vont décider de force buy les Mossy Sport? Ouais, ils vont décider de force buy. Ça m'étonne même pas. Le style de jeu ultra agressif de Nico, ça m'étonne absolument pas de voir force buy justement. Attention, on a un joueur qui vient prendre l'info sur le bon site B. Je
pense que c'est Magic Boy comme à son habitude. Ça prépare les contre-stuff du côté SK. Voilà, les contre-stuff qui sont partis. Et attention à Nico avec son Deagle là. Nico et Dennis qui font les kills sur Magic Boy et Pimp, le bon site B. Qui est complètement ouvert, la bombe qui va pouvoir être plantée en toute tranquillité. Attention tout de même à Freeze qui vient décaler depuis cette kitchen. Il va manquer son coup d'AWAP. Et il va se faire smoke. Freeze qui va se faire complètement deny sa ligne. Les Mossy Sports qui sont en position très avantageuse. Attention joueur qui arrive par la corniche. Et voilà, il va se retrouver face à Dennis avec un tech 9. Et je pense que du côté SK, on va se mettre en position latérale de sécurité. Et on va essayer de chercher des kills à la sortie de CBP. Mais du côté Mossy Sports, je ne pense pas qu'on va être naïf. On va sortir à au moins 2 ou 3 du même endroit. Voilà, on sort à 3 par la corniche et à 2 par les appartements. On n'est pas naïf du côté Mossy Sports. On n'a pas envie de se faire exit kills. On a pas envie de perdre des armes tout simplement en fait. Chercher un mot un peu compliqué mais non, pas besoin. Alors du coup, les Mossy Sports qui viennent récupérer 2 armes sur ce round, ils en ont que 3 à racheter. Chris J qui va pouvoir sortir une AWAP. Il va falloir que Chris J du coup prenne un peu confiance là si on veut le voir on fire ce soir. Les Mossy Sports qui prennent le middle rapidement. Attention à Freeze. Freeze qui va pas cramer et Freeze qui va perdre son duel face à Chris J. Ah, Smoke qui part au niveau du connecteur. Qui part au niveau du connecteur. Et qui coupe toute ligne puisqu'elle est posée du côté du bon site. Et Pim qui vient se faire deny l'agression. Au niveau de la corniche, on a 3 dans cette prise middle côté Mossy Sports. On est à 3 côté middle et attention de ne pas faire la bêtise de se diriger en haut. Que du côté SK, on est à 3 sur ce bomb Sita. On a surtout peur que ça prenne le palace, j'ai l'impression. Attention Freeze, là, ceux qui préfèrent mal. Et non. Et voilà, c'est Chris J qui va lui faire mal à Freeze. On décide d'avancer, d'accélérer un petit peu sur son petit B. Attention au joueur contact au niveau de la corniche. Voilà, le revenge instant. Pim qui fait un kill, en frappe à deux. Speedy NX qui accélère sur son petit B. Les deux kills qui sont pris. Cette fois, les Mossy Sports qui arrivent à prendre des entries. Et à justement contrôler ce BP. NX qui fera tomber Maudit à Silion qui est tout seul. Face à 4 joueurs Mossy Sports enragés qui ont faim de killer. Attention à pas se donner dans cette corniche. Et le POC de l'espace de Nico là qui va faire tomber Acilion à 12 HP. Acilion qui m'a pas l'air très très chaud à la WAP. Acilion qui va se faire courir dessus de toutes parts. Il y a 3 joueurs devant lui, il y en a un derrière lui. Et Acilion qui va manquer son coup d'AWAP. Acilion qui m'a vraiment pas l'air chaud à la WAP. C'est pas grave hein. Enfin si, c'est un petit peu grave puisque du coup on aura. Bon, si on va pouvoir acheter une AWAP en fait, Freeze il a assez d'argent. On va pouvoir rebuy une AWAP du côté SK, on va pouvoir full buy. Attention Pim, juste qu'il y a un FAMAS. On a bien vu que ça empêchait pas d'aller chercher des kills. D'avoir un rifle un petit peu moins puissant. Dixit, la Galil ou le FAMAS. Surtout la Galil pour l'instant. Et du coup côté Mossy Sports, on joue un peu reculé. On vient pas contester des zones directement au début de round. On est parti au niveau de l'under, je crois. On a un joueur qui joue l'underpass du côté Mossy Sports. Me dit encore une fois qu'il vient off le palace dans cette extrémité en A, mais il va se retrouver face à Nico. Et Nico qui va perdre son duel face à Me dit avantage numérique pour les SK, mais attention du côté Mossy Sports. Voilà, avec le revenge qui vient de la part de Dennis, on va pouvoir déclencher en B, je pense, les smokes qui sont en train de partir. Mais attention à Freeze qui a la ligne avec son AWAP. Mais voilà, on a déjà Dennis qui est passé sur le BP. Il vient couper la ligne avec la smoke. Il va pouvoir. On va pouvoir planter la bombe, pardon, du côté Mossy Sports, je pense. Et voilà, comme je disais, attention à Freeze. Freeze qui fait le double kill. Attention, Pim qui fait tomber Nex. Et ça laisse Speedy en 1v3. Speedy qui fait un premier kill. Speedy qui va manquer le joueur. Speedy, l'unscope, ça passe. Et Speedy, attention. Speedy pour le 1v2 peut-être. Je pense que ça risque d'être très compliqué pour lui. Sauf s'il a le timing sur Acilion. Et je crois qu'Acilion l'a. Si Acilion l'a vu. Speedy se doute absolument pas qu'il y a un joueur derrière lui. Et voilà, Acilion qui a joué très intelligemment et qui le fera tomber. Speedy qui a mis un sale unscope là sur Freeze. Vraiment pas propre.
Et du coup, c'est reparti pour les SK, ils se remettent dans la course en venant couper l'élan de ces Moussi Sport. Il y a déjà 7 à 5 quand même, hein, les Moussi Sport qui font un side terreau correct. Très correct même. Enfin, quoique très correct, peut-être pas. Mais ils font un side terreau correct pour l'instant puisqu'ils marquent cette round. Il serait bien de le gagner et de mettre peut-être 8-7. Mais à part ça, les Moussi Sport sont plutôt bien pour l'instant. Et attention à Freeze qui vient agresser au niveau de l'under, prendre le kit sur Denis. Freeze qui va pousser un petit peu, il trouvera personne. Puisque du côté Moussi Sport, on est dirigé au niveau de ce middle. Krizek attend à la sortie de l'under du côté mid avec son AWAP. Et Nex et Nico qui vont réussir à prendre un double kill. Et ça, c'est pas bon du côté Moussi, du côté SK, pardon. C'est très très bon du côté Moussi Sport. Attention quand même à Freeze qui vient off les appartements B et qui vient prendre position dans ce middle. Il fait tomber Speedy. Mais voilà, Krizek qui remporte son duel face à Freeze. Ça aurait été un kill salvateur pour venir chercher ce round du côté SK sur Chris GM. Et voilà, le kill qui a pas réussi à être pris. Et c'est Nex qui se retrouve face à Magix Boy. Magix Boy qui va casquer le joueur allemand. Là, Chuck qui prend Magix Boy qui va la manger sur les pieds. Mais voilà, Magix Boy qui est tout seul face à 3 joueurs de chez Moussi Sport. Et il y a un joueur qui l'attend dans le middle. Et c'est Nex qui fera du coup tomber le jeune danois. 8 à 5, voilà, Moussi Sport qui remporte déjà leur side terreau, pardon. Et du coup, ils sortent déjà gagnants de ce premier side. Alors, honnêtement, je trouve que les Moussi Sport sont plutôt bien au niveau de tout ce qui est, pour appeler des strats, enfin, ils sont plutôt bien, ils ont un bon rythme de jeu. Et pour l'instant, ça paye, hein. Ils savent accélérer quand il faut, ils savent jouer lentement quand il faut. Honnêtement, je trouve que Nico fait très très bien son taf en tant que leader in-game et en tant que joueur aussi, en tant que deuxième sur le site. Il fait vraiment du gros taf, Nico, là, pour ses Moussi Sport. Mais attention, il y a un casque qui est parti, Speedy, qui arrivera à faire tomber Magix Boy. Nico, qui prend la coupe et qui fait tomber Muddy, va se retrouver face à deux joueurs. Je pense qu'il les a entendus. Nico, qui arrivera pas à faire tomber le premier. Et attention, Nico, qui va tomber sous les balles de Pimp, à vouloir trop chercher le frag. C'est ce qui t'arrive. Voilà, Pimp qui va partir. Save la petite M4. C'est le moment où les Moussi Sport commencent à courir vers le BPA et viennent chercher les deux joueurs encore en vie. Auxquels ils ont pas envie de laisser save des armes. Et non, même pas, les Moussi Sport qui jouent passivement, ils ont pas envie de perdre des armes eux non plus, visiblement. Ils auraient pu se le permettre, ils avaient de quoi rebuy des AK. En plus, c'est le dernier round. Ils auraient pu se le permettre d'aller chasser les Moussi Sport, hein, mais le call de ton lead in-game et le call de ton lead in-game, tu respectes ce qu'il te dit. Si Nico a dit on va pas aller chercher, on save tranquillement ce qui nous reste, les 3 AK et la WAP, et ben tu save. Tu te tais et t'exécutes. Du coup, les Moussi Sport qui remportent leur side de manière très convaincante pour l'instant, 9 à 5. Ils ont visiblement su contrer le jeu de SK en CT. À voir s'ils vont réussir à appliquer la même pression sur le side CT, justement, les Moussi Sport. Et à anticiper le jeu des Danois. À voir ce qui va se passer. Pour l'instant, on est encore sur le dernier round de ce side terreau pour les Moussi Sport qui vont aller chercher rien du tout pour l'instant. On vient contester un petit peu des zones très reculées, notamment du côté des appartements B et du côté du middle. On a peur d'une agression, on a vraiment vraiment peur d'une agression quand on voit que Chris G prend la ligne aussi reculée sur le mid. On se dit que les Moussi Sport ont vraiment vraiment peur d'une agression. Et c'est Nico qui va en faire justement les frais. Il sait qu'il y a un joueur Taz. Il va essayer d'aller le chercher. Avec un joueur Taz, et voilà, c'est le bait qui passe puisque c'est Freeze qui fait tomber Nico. Maudit qui décide de s'avancer dans ce palace. Du côté Moussi Sport, on se redirige côté B. On prépare les smokes, on prépare le stuff. Et c'est parti
Du côté Moussi Sport, on déclenche en B. Attention, il y a deux joueurs camionnettes. Il faudra les faire tomber instant, mais c'est Freeze pour l'instant qui fait le kill sur Nex. Denis qui va rusher au niveau de ce market. Mais attention, on n'a pas repéré les deux joueurs. Magix Boy qui fait tomber Speedy, Crichet, le revenge instant. Et voilà, on s'attendait pas du tout à ce que Pim soit encore là. Mais attention, c'est Denis qui est laissé en 1v3. Mais voilà, Denis qui a très très peu de temps. Et il ne va pas pouvoir planter la bombe puisqu'il y a un joueur qui arrive par les appartements. Et voilà, Sion qui va accélérer juste au bon moment. De toute manière, Denis n'aurait pas eu le temps de planter cette bombe. 9 à 6, les SK1 qui remportent ce round grâce à la très bonne tempo de Pimp and Magix Boy. Alors, en major, ils vont se faire lire comme un livre contre Fnatic. Ouais, je sais pas. Je sais pas s'ils vont se faire lire comme un livre. Hein. Attention, Fnatic, ils jouent plus avec Pronax. Je dis pas que Flusha est un... à la tête vide. Loin de moi cette idée. Maintenant, c'est pas Pronax. Hein. Flusha, il est à la base, c'est pas un leader in-game. Et je dirais que Fnatic maintenant s'appuie beaucoup plus, un peu comme le fait Happy avec Envy, s'appuie beaucoup sur le skill de ses joueurs en fait. Moins que sur des strats très élaborées, malgré le fait qu'ils en aient quand même, ils sont obligés à ce niveau-là d'avoir des stratégies élaborées, des prises de BP avec Smoke et tout ça. Mais pour moi Fnatic, depuis qu'il n'y a plus Pronax et que Denis a remplacé Pronax, il s'appuie beaucoup sur le skill des joueurs, le skill individuel des joueurs pour aller chercher... des BP plutôt que du stuff avec des strats un peu compliqués. Comme le fait Happy d'ailleurs avec les joueurs chez Envious. Hein. Sans critiquer bien sûr, hein. C'est juste une remarque. Voilà, alors que du coup, côté SK, c'est une agression rapide en A avec juste une seule smoke au niveau des stairs. La bombe qui va pouvoir être plantée. On décide de courir à 3 au niveau du spawn CT. Et attention, il va falloir réceptionner. C'est Denis qui va faire le premier kill. Et ça leur donne un avantage. Denis qui arrive à gratter un deuxième kill. C'est pas normal. Pardon, c'est pas normal ça du côté de Freeze. Il aurait dû tomber instantanément. Ils étaient en 3v1. Et là, ils se retrouvent en 4v3. C'est un petit peu moche. On a repéré le joueur connect là. Et il faut essayer de le faire tomber. Du côté SK, on joue avec la puissance des Glock. Mais attention, c'est Nico. Freeze qui est en train de faire le dos. Qu'est-ce qu'il est en train de faire le dos? Nico qui fait tomber à Sillon, on a l'info sur le dernier joueur spawn CT. Oh, Nico! Nico qui vient faire tomber Freeze là, d'une grosse one tap à l'USP, comme on aime les voir. Nico qui fait vraiment, vraiment du sale ce soir, encore une fois, il est premier au scoreboard, malgré le fait que Chris J soit plutôt pas mal au niveau des frags. Je voulais pas commencer un débat, c'était juste pour lancer un, pour donner mon avis par rapport au fait que un viewer avait dit que Moussi Sport se ferait lire comme un livre par Fnatic. Voilà, tout simplement. Maintenant, chacun son avis sur les choses. Faut pas s'énerver pour ça, les gars. Alors que du coup côté SK, c'est un round d'achat puisque ils partent avec 4 Tech9 Indigal, on a pas mal de stuff, on a de quoi déclencher une prise de BP. Et je pense que c'est ce qui va se passer. On va peut-être la timer autour des 1 minute. 1 minute 15, 1 minute 10, je pense. Voilà, les smokes qui partent. On a un joueur qui est en train de fake le B de l'autre côté de la map. Mais du côté Moussi Sport, on n'est pas dupe. Voilà, on a le joueur qui est en train de tourner au niveau du connecteur. C'est Nico. On a un joueur qui est au niveau de la jungle. On a un joueur au niveau du spawn. C'était Nico à travers la smoke. Nico, le triple kill. Le spray contrôle de Nico, Nico le quadruple kill, Nico qui est beaucoup trop chaud et Nico qui veut son ace, Nico, et Nico qui l'aura son ace, Nico dans ce connector qui a fait un travail impressionnant face au Danois Cheska Gaming, hein. Il s'était infiltré sur le côté gauche du connector, la smoke qui lui faisait strictement rien du coup, Nico qui est venu deny ce soir là, c'est SK Gaming en A. Absolument magnifique de la part de Nico, hein. Quand je vous disais que c'était un monstre individuellement, il n'y a vraiment pas à chier, il est vraiment 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 très très bon. Oui oui, effectivement, Fnatic c'est une équipe, c'est vraiment des joueurs passionnés, et c'est vrai que d'après ce que j'ai cru comprendre, ils passent énormément de temps effectivement à analyser leurs adversaires et tout ça. Mais attention après, enfin... Attention aussi, Fnatic, des fois, ils sont un petit peu trop confiants. On les a vus contre Luminosity, enfin, se prendre 12-3 sur,
sur Inside après remonter, mais Fnatic c'est une équipe qui joue aussi beaucoup sous la pression. Et du coup, enfin, sous la pression, ils ont remonté, mais enfin, ils ont quand même pris 12-3 parce qu'en fin d'avis, ils ont été trop confiants. Mais bon, revenons à nos moutons, c'est un autre débat. Du coup, Magic Spike qui fera l'entrée justement sur Dennis qui a voulu peut-être être un petit peu trop gourmand au niveau de ce middle. Au niveau de, ouais, niveau du middle, hein, il est passé dans l'under. Et du coup, côté Moussi Sport, ça les laisse en 4v5. Il y a un trou dans la défense, et ce trou dans la défense, il est au niveau du mid. On peut s'infiltrer dans la window. Bah, quoi qu'il y en a un joueur qui est retourné au niveau de la jungle. Et je crois que ce joueur, en plus, c'est Nico. Il faut faire attention à Nico. Je pense que les SK Gaming l'ont très bien compris. Alors justement, du côté danois, on est en train de tourner pour une prise du A, je pense. Qui va être lancée pour des 40-45 secondes, je pense. On va attendre que la smoke ramp se dissipe. Et on va partir. On a deux smokes, on a deux flashs, c'est largement faisable. À moins qu'il décide d'agresser le BP à sec avec juste une flash et garder les smokes pour empêcher la reprise. Voilà, Chris J du coup qui prend l'info. Chris J qui arrivera pas pour l'instant à prendre le kill et va tomber sous les balles de Freeze puisque Freeze avait pris la ligne sur Chris J. Pour l'instant, les Moussi Sport qui se retrouvent un petit peu dans le mal. Et je pense qu'ils vont décider de save leurs armes. Juste Nex peut-être qui va essayer de gratter des kills. Hein. Il a une PM. Il a décidé de pas upgrade. Il faudra pas être naïf du côté SK. Alors, on a Nex qui veut aller chercher ce kill justement avec sa PM. Et attention à Speedy qui fera tomber Magic's Boy. Et SK qui devrait inscrire ce round. Mais attention à pas se donner plus que ça. Ils ont pas forcément les moyens de racheter à tous les rounds. Et pour l'instant, attention, c'est Nex. Nex qui a un kit. Voilà, il va. Nex, les joueurs SK qui sont pas naïfs. Maudit qui restera quasiment jusqu'à ce que la bombe elle pète. Mais voilà, c'est worth it du côté SK, du côté Moussi Sport, pardon, puisque les SK perdent 3 armes. 2 armes sont tombées sous les balles des Moussi Sport et un joueur est tombé sous la bombe, sous le souffle de l'explosion. 12 à 7, les Danois qui se laissent une chance dans ce match, dans cette remontée peut-être, à venir des SK. Voilà, en face, du côté Moussi Sport, on a 4 M4, du côté SK, on a des Galil. On sent qu'on est un peu moins bien économiquement parlant, et c'est déjà Assilion qui va prendre un moins 74 dans les YEP. Merci Speedy, depuis le Pigeot. Voilà, on joue à 2 ce middle. Côté Moussi Sport avec Nico et Speedy. Et attention, en plus de ça, on a Chris J qui agresse au niveau de la corniche. Ouais, agresse, non, il a reculé. Il va prendre la ligne sur la pose Markelov. Et Chris J qui va gagner son duel face à Freeze. Depuis le Kajib, là, Chris J qui a très très bien joué, il a été patient, ça a payé. Attention, tout de même, c'est pas fini, le joueur SK qui va se faire pop flash la corniche. Chris J qui va tomber sous les balles de Pimp, en plus on est prêt à déclencher côté B avec les smokes qui viennent de tomber. Alors, on a repéré le joueur BP, c'est Nex. Nex qui tombe à 50 HP, Nex qui doit rester en vie. Et voilà, on a la corniche, on tente à bon pour la corniche, Nex tombe sous les balles de Magic Boy. Il fallait pas enterrer les Danois avant d'avoir 1000 runes. Et là, attention, c'est Speedy qui vient à la charge, qui fait tomber Magic's Boy. Attention, on a Nico de l'autre côté, qui arrive sur Pim. Dennis sur Modi, le BP qui est en train d'être repris par les Allemands de chez Moussi Sport. Le dernier joueur en vie, c'est Assilion. Assilion et la WAP, ça a vraiment pas l'air d'être un truc qui va ensemble. Assilion qui va se faire double flash, la bombe qui va pouvoir être diffuse. On prend la ligne A2 du côté Moussi Sport. Et impossible pour Assilion de venir sauver ce round. Les Moussi Sport qui mettent du coup le 13 à 7. Oh, Freeze qui va du coup cette fois gagner son duel face à Chris J dans le connecteur. Chris J qui est connu hein, d'habitude pour ses piques agressifs. Chris, cette fois, qui sera meilleur que la Whopper néerlandais. Les SK, du coup, qui vont prendre un peu leur temps. On est à 4 au niveau du mid.
On a 3 en A côté Moussi Sport. L'erreur, ce serait de rediriger en A du côté danois, du coup. Et c'est Nico avec son AWAP. Hein. Nico, il est monstrueux au rifle, mais attendez de le voir à la WAP. Si vous l'avez pas déjà vu, c'est assez impressionnant aussi. Alors que du côté SK, on est un peu en train de faire la bourde là, de rediriger en A. Puisqu'il y a deux joueurs qui sont bien installés, on a un joueur qui prend la ligne palace en plus. Ça c'est moche un petit peu hein, pour ces SK. Voilà, Nico par contre qui a décidé de reculer. La prise du A qui va être lancée par les Danois. Mais attention, on a Denis qui va s'avancer dans la rampe. Et Denis qui va faire tomber maudit. Denis qui va rater son duel face à Sillion. Et en plus on a Nico qui est bloqué au niveau du sandwich. Nico qui va se faire courir dessus. Mais Nico qui fait un premier kill. Nico, le double kill. Nico qui vient chercher son triple kill. Et non, Nico qui va tomber sous le bal de la Sillion. Faut pas déconner. Speedy qui va mettre le casque sur le joueur au niveau du connect. Speedy qui se retrouve à 12 HP. Speedy qui va décider de reprendre directement. Mais voilà, il faut pas faire l'erreur. À Sillion qui est pas naïf. Il se doute que le joueur va essayer de reprendre rapidement. Et Speedy s'avance à travers la smoke. Et Speedy qui aura le mauvais timing sur Asilion. Speedy qui tombe du coup. 13 à 8, les SK qui s'offrent une chance. Ils envoient les Moussi Sport en round de force buy, je pense. Sur tout ça, 4K, Speedy devrait peut-être dropper une AWAP. Ouais, voilà, Speedy va dropper une AWAP. On va se dropper, on va pouvoir avoir des M4, du pistol. On a que deux M4, hein. Ouais, on a qu'une seule M4, deux CZ. C'est pas forcément la meilleure décision là du côté Moussi Sport. Il va falloir les faire peser ces deux armes. Cette AWAP, il faut la faire peser. Cette M4, pareil. Et je pense qu'on peut compter sur Nico et Chris J pour faire ça. Voilà, attention du coup, Magix Boy qui fera tomber Denis. Denis qui a voulu agresser dans cette Under. Ça ne passera pas, les agressions côté Moussi Sport là pour l'instant. C'était qui sont inoffensives pour les Danois. Qui pour l'instant s'en sort très très bien à contrer ses agressions. Et voilà, Speedy qui fait tomber Pimp, il a repéré les joueurs passés au niveau du connecteur. Et c'est Asilion qui fera tomber Speedy et Nico qui décide de s'avancer dans ce palace là. C'est une très très bonne décision là de la part de ce joueur de Moussi Sport de s'avancer dans le palace, de venir off la zone. Il va pouvoir donner l'info à ses mates, il va même pouvoir attraper un joueur au passage, c'est maudit. Et voilà, il va faire tomber Moji sans aucune pression. Alors que du côté SK, on redirige côté B. On a deux joueurs dans la corniche. Krijé qui prend le premier kill du coup sur Freeze. Krijé qui prend le double kill sur Freeze à Sillion. Et Nex qui vient faire tomber Magix Boy. Les Moussi Sports qui passent le round de force buy. Je dirais presque sans pression. Hein, avec le très très bon move de Nico de venir off le palace. Pour donner l'info à ses mates que c'est en train probablement de passer côté B. Que ce soit dans la corniche ou dans les appartements. Du coup, ce qui permet à Krijé de tourner, de lâcher la ligne middle, de venir prendre la ligne corniche depuis la kitchen, la sortie kitchen plutôt, et de venir bah, carrément faire gagner le round à son équipe puisqu'il fait un double kill depuis cette ligne. Et Denis qui va fail sa smoke magique. Magique le moment. Il a regardé la smoke tomber, il s'est dit merde, je viens de gâcher une smoke. Et du côté SK Gaming, on se prépare pour une prise du A. Encore une fois, la CPL A, la CPL quasiment, je dirais, classique en A qui est déclenchée. Par contre, c'est un gros fail flash de la part de Moji. Eh non, quoique c'est pas une classique là. Ils vont essayer de planter la bombe pour le connecteur. Mais malheureusement, ça ne passera pas puisque c'est Denis et Nico qui viennent deny l'agression. Speedy qui vient reprendre rapidement. Il vient faire tomber un des deux joueurs et on plante la bombe pour le spawn CT du côté SK Gaming. La flash qui part du côté d'Asilion. Faut gratter au moins un kill pour se donner une vraie chance dans ce round. Mais voilà, ils ont pas du tout la bombe plantée pour eux. La mollo qui ne passera pas, il y a une smoke. Et il va falloir faire quelque chose du côté SK. Mais voilà, Pimp qui est complètement bloqué, la bombe qui va être diffuse. Et Nico qui vient faire tomber Pimp après le timer en plus. Ah, c'est dur pour les SK. C'est dur. C'est vraiment, vraiment dur. C'est Chris J, ouais, enfin, c'est Chris J, quoi. Enfin, pas Chris. Je sais pas, est-ce que j'ai dit Chris J? Je sais pas, enfin, autant pour moi. Je sais pas, moi, je.
pas forcément attention, excusez-moi, je pensais du coup des choses plus importantes que la prononciation du nom des joueurs. Et pour l'instant, les Mossy Sports qui viennent dominer ce round, puisqu'ils vont ace.